Derrière ses lunettes noires, la colère gronde. Et quand il prend la parole, elle éclate. On m'a demandé d'être le parrain de cette cérémonie. Je n'ai pas demandé à être parrain de quoi que ce soit. Mais j'estime que si c'est une activité qui se passe dans le cadre du 11 décembre, il est tout à fait normal que les autorités soient à cette cérémonie au lieu d'aller se retrouver dans une histoire d'inauguration d'hôtel. Les autorités politiques et administratives dont parle le président de l'Assemblée nationale, les voici, ici. Le gouverneur de la région du Centre-Sud, le ministre d'État, celui de l'administration territoriale et celui de la Défense, mais aussi le maire et le président du Conseil régional. Tous présents à l'inauguration de l'hôtel Ramada du richissime homme d'affaires surnommé Amidou Karo, à la même heure que celle de la cérémonie d'ouverture de la foire du 11 décembre. Je ne suis pas contre un opérateur économique pour quoi que ce soit. Mais il y a combien de Burkinabés, il y a combien de Mangalais qui peuvent dormir à cet hôtel-là, dans cet hôtel. Venez ici, là où les Mangalais peuvent avoir à manger, peuvent avoir de quoi prendre en charge leurs choses. Ils finiront par venir, mais avec un peu plus d'une heure de retard. Pas tous d'ailleurs. Bala Alassane Sakandé ne cache pas son agacement durant toute la cérémonie. Son argument en quelque sorte est qu'il ne faut pas opposer une activité officielle du 11 décembre à une activité privée. Si c'est le cas que la foire fait partie des activités commémoratrices de ce 11 décembre à Manga, j'estime que cette cérémonie a été boycottée. S'il y a un problème, qu'on le dise clairement. Le problème peut-être, c'est que dans un peu plus de 2 ans, ça sera la campagne électorale pour la présidentielle de 2020 et qu'il va falloir, en ce moment-là, lever des fonds.